Des mesures concrètes pour le pouvoir d'achat, c'est ce qu'a dévoilé hier soir Emmanuel Macron lors d'un message aux Français très attendu. On va en parler avec vous, messieurs. Bonsoir à tous les deux. On est donc avec Philippe Poutou, délégué syndical CGT à Fort-Blanquefort et porte-parole du NPA, et Aziz Scali, référent départemental de La République En Marche. On va parler, bien sûr, de cette crise des Gilets jaunes. Mais d'abord, Philippe Poutou, c'était une nouvelle journée cruciale pour l'usine Fort-Blanquefort. Est-ce que vous pouvez peut-être nous faire un point sur la situation aujourd'hui? Oui, c'est une journée cruciale, comme on en vit beaucoup ces derniers temps, et on est à quelques jours à peine de la fin de la procédure PSE, donc au bord du dénouement. Et on a eu une assemblée générale aujourd'hui avec les collègues, parce qu'en fait, on est dans des discussions avec Punch et l'État. Ça coinçait sacrément, c'est-à-dire qu'en fait, Punch veut reprendre l'usine, a un projet industriel, mais en fait, ce dont on discute le plus, paradoxalement, c'est nos salaires. Et Punch est obsédé par nos salaires, il pense qu'on est trop payé, qu'on a trop de RTT, donc ils veulent grignoter. Alors, ça fait un moment qu'en intersyndical, on recule un petit peu, on se dit, le gel des salaires, on va faire la modulation du temps de travail sur 3 ans, ok, mais c'est tout, on arrête là. Et Punch, qui lui avait des exigences beaucoup plus importantes, hein, on vient à vouloir des RTT maintenant supplémentaires à nous prendre. Donc on a fait une assemblée devant les collègues et puis de discuter de la situation, de mettre tout carte sur table. Voilà ce qui se discute, voilà où on en est, voilà les enjeux. Les enjeux, c'était de risquer la rupture des discussions. Et donc Punch s'en va et puis plus de reprise. Et puis donc la certitude de la fermeture de l'usine et la certitude de se retrouver au chômage pour la plupart d'entre nous. Donc on a eu une discussion et la plupart des collègues qui sont directement concernés, ceux qui veulent garder leur boulot, parce que tout n'est pas simple, parce qu'il y a ceux qui sont en pré-retraite, enfin qui peuvent partir en pré-retraite, à ceux qui peuvent garder leur boulot. Oui. Et donc le choix qui a été fait, c'était d'accepter ce recul supplémentaire et de dire qu'il valait mieux sauver la discussion et puis aller rentrer dans un processus qui permettrait peut-être une reprise de l'usine plutôt que de voilà. Et donc du coup, les RTT perdus sont acceptés, ces 3 RTT. Mais bon, le problème qu'on a, ce qu'on discutait juste avant, c'est qu'en fait, on ne sait pas si ça va suffire pour que Ford... En fait, la stratégie de l'État, je suis un peu long, mais juste pour finir, la stratégie de l'État, il pense qu'en fait, un accord Punch, État Punch et salarié, ça peut mettre la pression sur Ford et ça peut faire que Ford n'ose pas aller au bout de sa procédure de fermeture d'usine et accepterait au bout du compte de céder son entreprise ou en tout cas de rentrer dans des négociations pour céder son entreprise. Donc en fait, l'enjeu, il est là, c'est de trouver un accord à 3 pour pouvoir faire reculer Ford et dès janvier-février, rentrer sur une négociation de reprise de l'usine. Voilà, donc c'est l'espoir qu'on a, qui n'est pas très gros, mais en tout cas, on joue le va-tout parce que l'usine, c'est aussi 2000 emplois dans la région et on pense que c'est hyper important de se battre pour sauver cette usine. Aziz Scali, ça vous choque, vous, que des grands groupes comme Ford, comme Punch, mettent la pression sur les salariés, leur disent qu'ils sont trop payés? Bien sûr que ça me choque. En tout cas, ce que je remarque, c'est l'engagement à la fois de l'État, des salariés et des collectivités qui sont derrière les salariés de Ford pour qu'il y ait une issue favorable. En tout cas, je vois que lorsque les conditions du dialogue entre les représentants syndicaux, les salariés, l'État et les repreneurs sont là. On arrive à trouver des solutions. En tout cas, j'espère qu'il y aura un dénouement. L'État sera derrière, en tout cas, pour faire pression autour de Ford pour que ce projet, qui est viable, je crois que vous le disiez à l'instant, puisse se déployer, puisque au-delà des salariés de Ford, c'est aussi tous les emplois indirects qui seront sauvegardés sur le site. Vous savez la date de la réponse, là? On a la prochaine deadline pour Ford? Officiellement, après, on ne sait pas trop les délais exact, parce qu'en fait, on nous a beaucoup dit délais, les délais bougent tous les jours, donc on ne sait pas trop où ils en sont exactement, mais officiellement, c'était ce soir que Punch devait remettre le plan de reprise avec l'accord des syndicats, mais peut-être que ça sera demain matin, mais en tout cas, après, c'est la réponse de Ford, en fait, il n'y a pas longtemps à attendre, parce que la fin du PSE, c'est lundi 17 et mardi 18, et l'avis du PSE sur la question de la reprise, c'est lundi matin, donc en fait, on a entre demain et lundi pour avoir une réponse. Et donc voilà, le suspense va être de courte durée. Merci Philippe Poutou, vous êtes donc mobilisé depuis plusieurs mois maintenant pour sauver les emplois à Fort-Blanquefort. Les Gilets jaunes, eux, sont mobilisés depuis un mois maintenant dans la rue. On a vu, bien sûr, ce qu'a donné ce mouvement depuis plusieurs week-ends, un mouvement de plus en plus violent. Et hier, Emmanuel Macron a donc finalement dévoilé plusieurs mesures pour répondre à cette colère. Alors, je vais vous donner la parole chacun votre tour. Quelle a été votre réaction hier en entendant ces annonces d'Emmanuel Macron? Aziz Scali, on va peut-être commencer. Déjà, je remarque que le président de la République, au-delà des annonces qui avaient déjà été faites la semaine dernière par le Premier ministre, a pris pleinement conscience qu'il y avait une urgence sociale,
avec des annonces fortes et immédiates. Hein. Toutes les annonces qui ont été faites vont prendre effet dans quelques semaines, hein, mm-hmm. 1er janvier, des annonces sur le SMIC, sur la fin des augmentations de la CSG pour un certain nombre de retraités, oui. Un certain nombre de mesures aussi exceptionnelles pour favoriser le pouvoir d'achat immédiat. Et puis après, effectivement, il y aura une deuxième phase avec un dialogue qui permettra aussi de répondre plus globalement à l'urgence sociale. Moi, je suis conscient que les mesures qui ont été annoncées hier ne sont pas suffisantes et qu'il faudra là aussi travailler plus profondément sur la fiscalité, sur le pouvoir d'achat, sur les institutions aussi, puisque les revendications des Gilets jaunes vont au-delà des mesures qui ont été annoncées hier soir. Pour vous, c'est un bon début, ces mesures, Philippe Poutou ? Non, c'est même pas un début. Enfin bon, on n'attendait pas grand-chose, ni moi, ni les camarades, de la déclaration de Macron, puisqu'en fait, on connaît bien la stratégie, on la connaît par cœur. Quand il y a un mouvement social, quand le gouvernement est embêté, bon, ben voilà, on orchestre une déclaration qui fait qu'on fait semblant de reculer, mais on ne recule pas. Bon, et là, hier, il y a un peu de ça. Le ton a changé, ça c'est sûr que Macron, il fait moins le malin. Là, il n'est pas en train de faire ses petites phrases. Donc là, du coup, il y a quelque chose qui est en train de se passer. Mais le fond, non, ça ne change rien. D'ailleurs, je crois qu'il y a eu des articles très bien qui ont décrypté techniquement la fausse augmentation du SMIC, comment c'est récupéré par ailleurs. Enfin, en réalité, il n'y a pas grand-chose qui change. Ouais, enfin, n'empêche que les salariés au SMIC auront 100 euros de plus sur... Non, c'est même plus compliqué que ça, parce qu'il y a des articles de la presse qui n'est même pas de gauche, qui dit que c'est faux, parce qu'en fait, c'est récupéré par ailleurs, et c'est la prime défiscalisée de fin d'année qui est récupérée. D'ailleurs, c'était voté au Sénat tout à l'heure. Hein, les deux années suivantes, qui sont concentrées sur une seule année. Donc voilà, et puis après, la désocialisation ou la défiscalisation des primes, ça veut dire quoi? C'est des cotisations sociales qui disparaissent. Donc en fait, ce qui est donné quelque part disparaît de l'autre côté, et les cotisations sociales, c'est du salaire différé, c'est ce qui sert à la santé, c'est ce qui sert même y compris à la famille, à la maladie, enfin toutes ces cotisations-là, ça sert à ça. Donc en fait, il y a une entourloupe. Et puis surtout, après, au-delà de ça, c'est qu'en fait, comment on peut imaginer répondre sur des trucs où plein de gens n'ont pas compris d'ailleurs ce qu'il en était vraiment, combien ça sera duré par quoi, le SMIC, mais ceux qui sont juste au-dessus du SMIC et tout ça. Donc il y a cet aspect-là. D'ailleurs, même on peut se demander est-ce que Macron et les autres comprennent bien ce qui se passe, parce que entre Pénicaud, enfin tous les ministres, il y a eu pas mal de contradictions. C'est non, ça sera ça, oui, ça sera pas ça. Enfin, mais au bout du compte, en fait, ce qu'on a envie de dire, c'est que quand on voit le niveau de pauvreté qu'il y a dans le pays, hein, parce que le mouvement des Gilets jaunes, c'est ça qui met en avant, oui. En évidence, hein, c'est que bon, c'est une pauvreté, c'est 8 millions de gens qui vivent en dessous du seuil de pauvreté, c'est des gens qui n'arrivent plus à vivre correctement, c'est des services publics qui disparaissent, c'est des difficultés de se déplacer dans les campagnes, c'est un milieu agriculteur, un milieu même de petits artisans, de petits commerçants, de petites entreprises qui galèrent comme des dingues. Donc en quoi la réponse de Macron hier, elle peut être le début d'une réponse à cette difficulté, cette souffrance des gens. Donc voilà, donc c'est pas... Discuter sérieusement de ça, c'est pas possible. Donc il y a des gestes qui sont... Ce sont des gestes qui sont pas... Je vais juste répondre, parce que ce que vous venez d'expliquer sur l'augmentation du SMIC est, pour moi, du niveau des fake news qu'on lit sur les réseaux sociaux. C'est très simple aujourd'hui, et l'engagement a été pris. C'est 1,8% d'augmentation directe du SMIC. Qui était dans le projet de loi de finances, qui était prévu. Et effectivement, une compensation pour permettre effectivement une augmentation jusqu'à 100 euros du SMIC à travers la prime d'activité. Oui. La prime d'activité qui, effectivement, n'est ni fiscalisée, ni soumise aux prélèvements sociaux. Donc, c'est 100 euros de plus fin janvier que les salariés... Que tous les salariés ne touchent pas la prime d'activité. La prime d'activité, aujourd'hui, elle est versée à tous les salariés de 0,5 à 1,3 fois le SMIC. Donc, on ira aussi, et il y aura cette augmentation, y compris pour des gens qui sont au-delà du SMIC, jusqu'à à peu près 1 500 euros. Ils toucheront aussi une augmentation qui sera de l'ordre de 40, 50, 60 euros en fonction de leur niveau. Mais c'est aussi toutes les autres mesures aussi qui ont été annoncées. Prime exceptionnelle, prime de Noël pour ceux qui touchent les minima sociaux cette année, une participation... C'est une incitation, bien évidemment, mais l'État s'est engagé à ce que ces primes exceptionnelles ne soient pas fiscalisées, sur lesquelles on ne mettra pas aussi de prélèvements sociaux. Et puis, c'est aussi, à travers la concertation avec les partenaires sociaux, essayer de trouver des marges de manœuvre supplémentaires pour maintenir effectivement ces augmentations de salaire dans la durée. Il y avait déjà des choses qui avaient été prévues dans la loi Pacte, notamment en termes de participation, etc. Je pense que c'est tout ça aussi qu'il faut regarder et qui contribuera à augmenter le pouvoir d'achat des Français, notamment des salariés qui ont les salaires les plus bas. Ce que vous dites, vous, Philippe Poutou, c'est que finalement, vous attendez plus rien d'Emmanuel Macron. Il n'y a rien qui puisse dire qui pourrait calmer la colère
Des gilets jaunes, par exemple. C'est pas le problème d'attendre ou pas attendre, c'est que ce qu'on constate quand même assez facilement, c'est que la colère du mouvement des gilets jaunes, elle a le mérite de poser tous les problèmes, de mettre en évidence quelque chose qui était presque caché, qu'on savait mais qu'ils ne voyaient pas, c'est-à-dire un niveau de pauvreté, de souffrance d'une bonne partie de la population. Donc ce mouvement-là, il met ça en évidence. Mais on ne peut pas le résoudre du jour au lendemain, c'est ce qu'on dit depuis longtemps. Tout à fait, mais c'est pas que Macron, là, pour le coup, hein, c'est l'ensemble des gouvernements, et là, derrière. Macron, il était aussi dans le gouvernement avec Hollande, donc il sait de quoi il parle lui aussi sur les problèmes politiques depuis longtemps. Donc ça, on pourrait dire que ça fait à peu près 30-40 ans en fait qu'il y a des reculs sociaux, qu'il y a des politiques qu'on appelle comme ça ultra-libérales ou des politiques d'austérité qui se sont traduits par des reculs sociaux énormes. Hein, c'est le démantèlement des services publics, parce que les fermetures d'hôpitaux, de maternités, des bureaux de poste, enfin, tous ces trucs-là, c'est quand même des choses qui ont des conséquences graves pour la population. Ensuite, c'est les attaques sur les salaires, c'est les attaques sur l'emploi, suppression d'emplois dans les services publics, mais aussi pas mal de licenciements. Nous, on est en ce moment victimes de cette politique-là. Et puis voilà, donc on a une société qui se dégrade, qui devient de plus en plus violente même, parce que la pauvreté, c'est violent, parce qu'il y a des gens qui meurent du chômage, qui meurent de la pauvreté, qui meurent de la précarité, qui meurent même des logements insalubres, parce que Marseille, c'est quand même l'exemple qu'on peut mourir parce qu'on est logé dans des logements de merde. Donc on est là. Donc effectivement, Macron, il va pas comme ça, sauf qu'entre le geste qu'il fait hier et le geste qui pourrait être fait, hein, c'est-à-dire celui, par exemple, d'augmenter dès janvier prochain, d'augmenter tous les revenus de 200 ou de 300 euros, le SMIC, les pensions, les retraites et tout ça, ça serait pas non plus très compliqué à faire. Ça se finance comment? Et bien justement, on a des noms, on peut citer des noms, on peut dénoncer. Hein. Bon, il y en a un. Et en ce moment, il est en tôle, il s'appelle Gosne, il est plutôt du côté du Japon. Mais quand un mec comme ça, il gagne 15 millions d'euros et que personne ne trouve à redire, 15 millions par an, que personne ne trouve à redire, on peut dire que quand même, il y a un souci. Je pense que ce n'est pas compliqué de savoir où est l'argent et ce n'est pas compliqué. Et on peut parler des milliardaires, on peut parler des profits, on peut parler de... Il y a plein de choses. Donc les idées, elles sont faciles à obtenir. Si on ne trouve pas, c'est qu'on ne veut pas les voir. Aziz Kali, la réforme de l'ISF, par exemple, vous pensez qu'Emmanuel Macron aurait dû revenir là-dessus? C'est une demande qui revient. Non, je ne pense pas. Vous savez, l'ISF, pour moi, c'est le totem qui a été utilisé depuis plus de 20 ans par la gauche pour expliquer qu'en prenant un peu aux riches, on résolvait le problème de la précarité et de la pauvreté. Donc nous, on n'est pas sur des totems, on est sur des vraies mesures. Ce qui a été annoncé hier, moi je voudrais rappeler ce que nous avons fait depuis 18 mois, lorsqu'on supprime l'impôt le plus injuste des Français, c'est-à-dire la taxe d'habitation, lorsque l'on revient sur toutes les hausses fiscales, vous en parlez, ces 5 dernières années, lors du précédent mandat, c'est plus de 18 milliards qu'on a pris dans les poches des Français, c'est 10 milliards qu'on a pris dans les poches des collectivités locales et territoriales. Aujourd'hui, on parle effectivement d'un certain nombre de dysfonctionnements dans la ruralité, l'appauvrissement en termes de services publics, etc. Bien évidemment, c'est toutes ces politiques qui se sont accumulées pendant ces 30 dernières années et qui ont mené effectivement à un certain nombre de problématiques qui ont été soulevées aujourd'hui par les Gilets jaunes, mais qui sont portées dans le programme d'Emmanuel Macron. C'est ce que nous portons depuis 18 mois. Malheureusement, le rythme n'est pas assez rapide, ou peut-être trop rapide sur un certain nombre de mesures qui ont un peu bousculé les Français, et notamment les Français les plus fragiles. Maintenant, il faut revenir au dialogue. Je pense qu'on est tous convaincus et conscients qu'il y a encore beaucoup à faire, notamment pour qu'il y ait une fiscalité plus juste. Et je pense qu'effectivement, il y a des choses à faire, mais ce n'est pas uniquement en rétablissement l'ISF. Je pense que c'est effectivement en revenant sur un certain nombre de niches, c'est en fiscalisant toutes les entreprises du numérique, par exemple les GAFA, les Amazon, etc. Et effectivement, le ministre de l'Économie et des Finances s'est engagé à amener cette réforme, ce débat, même si au niveau européen, il n'était pas suivi. Voilà, c'est toutes ces mesures qu'il faut désormais accompagner. Vous savez, quand on met 10 milliards d'investissements dans la mobilité, lorsqu'on met 1 milliard dans la revitalisation des territoires ruraux, lorsqu'on met 1,3 milliard sur la réindustrialisation dans notre pays, c'est toutes ces mesures qui vont contribuer à redonner de l'emploi. Parce que c'est par l'emploi d'abord qu'on va redonner du pouvoir d'achat aux Français. Philippe Poutou, on a beaucoup entendu sur les ronds-points, notamment dans notre reportage aujourd'hui, que les Gilets jaunes n'étaient donc pas satisfaits de ces annonces d'Emmanuel Macron. Et beaucoup d'entre eux, maintenant, demandent tout simplement sa démission. C'était le mot d'ordre depuis plusieurs semaines. Qu'est-ce que vous en pensez de ça? C'est quand même un manque de respect pour les institutions démocratiques. Vous pensez que c'est possible?
Tout le monde s'accorde à dire que ce n'est pas possible. Donc, je ne suis pas un technicien ou un constitutionnaliste. Mais donc, vous comprenez en tout cas cette demande des Gilets jaunes. Évidemment, c'est facile. On peut la comprendre. Après, est-ce qu'aujourd'hui, c'est ça la priorité? Franchement, je pense qu'on s'en fout un petit peu. Mais je pense que ce slogan-là, il est pas faux et on a envie de le crier dans les manifs. On l'a crié samedi aussi dans les manifs parce que c'est une façon de dire qu'on n'est plus d'accord, enfin qu'on n'est pas d'accord avec lui, qu'on ne veut pas de sa politique. En fait, le problème, c'est plus la politique qu'il mène que lui-même. Et c'est plus la politique des classes riches. Non, on n'en sait rien, mais le problème... Non, mais là, est-ce que c'est un changement de bonhomme ou pas à la tête du pouvoir? À la limite, ça, c'est secondaire. Nous, ce qu'on voudrait, nous, quand je dis nous, c'est... je ne parle pas au nom des Gilets jaunes, mais c'est les Gilets jaunes, c'est l'ensemble de la population qui, aujourd'hui, est en colère contre les politiques qui sont menées depuis très longtemps. Nous, ce qu'on voudrait, c'est qu'il y ait une politique sociale. Voilà, c'est qu'en fait, peu importe si c'est Macron ou un autre, s'il recule Macron, s'il dit « Ah, ben ça y est », en fait, on sait qu'il faut lui faire peur. Donc, s'il a suffisamment peur pour mettre en place une politique sociale qui répond à l'urgence sociale, ça serait déjà pas mal. Donc c'est ça le problème. Et c'est pour ça que c'est important ce mouvement-là, parce que ce mouvement-là, il crée un rapport de force qui est nouveau. Parce qu'on était habitué, malheureusement, moi je suis syndicaliste, on était habitué à des mouvements syndicaux, des manifestations syndicales qui n'ont jamais réussi à faire reculer les gouvernements. On a bien vu la réforme, tout à fait. Les gens se détachent complètement. Sous Hollande, sous Sarkozy et sous Macron, on a mené des batailles et à chaque fois, on a perdu. On n'a pas réussi à stopper une seule des réformes. Et là, on voit quoi? Un mouvement au départ spontané qui s'organise dans les campagnes, autour des grandes villes et puis qui a la force de faire trembler le gouvernement et qui oblige Macron à se calmer complètement et à dire oui je m'excuse, voilà je vais essayer de faire ça. Ça c'est fort. C'est vrai que ça on n'avait pas réussi à le faire. Vous n'avez pas l'impression que c'est surtout les violences qui ont justement fait peur ça à Macron comme vous dites? Ça contribue. Alors ça veut dire quoi? Vous encouragez les violences? Moi ça ne me gêne pas du tout. Le combat de rue comme on voit, c'est pas gênant, c'est un combat de rue. Parce que le combat de rue, on va dire qui c'est qui le provoque, ben, on peut dire qu'un peu quelque part c'est la police, c'est les CRS, aux ordres évidemment du gouvernement. Mais quand on flingue comme ça des lycéens ou quand on tire à bout portant sur des manifestants avec des grenades, quand on arrache des mains comme celle d'Antoine à Bordeaux ou quand on crève les yeux de jeunes manifestantes comme on a vu dans plein d'endroits, on se demande qui c'est qui est violent et qui c'est qui déclare la guerre. Je crois qu'il y a réellement une guerre qui se passe dans la rue et la manifestation elle se durcit parce que c'est soit on canne, soit on rentre chez soi et puis on perd toute possibilité de changer les choses, soit à un moment donné on reste dans la rue, on se bat et c'est ce qui se passe. Et les sortes de barricades qu'il y a, c'est la suite logique de tout ça. Oui, le gouvernement il veut un bras de fer, il veut une confrontation et la différence aujourd'hui c'est qu'il y en a qui sont là pour répondre présent. Et là, il y a une confrontation physique dans la rue. Ça se traduit par des vitrines comme l'Apple Store qui sautent. Oh mince. Bon, on ne va pas se plaindre pour Apple. Il y aura des assurances pour tout payer. Mais ça révèle, je crois, une violence de la société qui est réelle. Parce que si on en est là, si les gens sont là pour se battre, c'est qu'il y a une vraie souffrance et c'est qu'il y a une vraie peur du lendemain. Et c'est ça qu'il faut prendre en compte. Donc la violence qu'il faut dénoncer, c'est celle de la société. C'est celle qui nous écrase. C'est celle qui, aujourd'hui, fait qu'il y a des gens qui sont quand même plus d'argent pour se loger, qui ne peuvent même pas se soigner. C'est cette violence-là à laquelle il faut répondre. Et puis et donc ça commence déjà par retirer les policiers et puis dire bon ok, on va apporter des réponses politiques et ça passe donc par des décisions immédiates qui permettent aux gens de respirer un peu. Philippe Poutou, on va écouter votre réponse Aziz Kelly dans un instant. On va d'abord écouter Alain Juppé qui a pris la parole ce matin à la mairie de Bordeaux pour bien sûr réagir à ces annonces d'Emmanuel Macron. Pour lui, il faut des revendications concrètes et pas la révolution. Écoutez. Il est clair qu'aujourd'hui, il y a dans notre pays des mouvements politiques qui veulent faire la révolution, renverser le gouvernement, voire le président de la République. Ce sont des dangers pour la démocratie et nous devons les combattre. Et cela, non pas, je pense, écouter ce qu'a dit le président de la République hier soir. Il a changé dans son vocabulaire, il a changé dans le regard qu'il porte sur la souffrance d'une partie de nos concitoyens. Voilà, je souhaite maintenant qu'on aille de l'avant et qu'on ne continue pas à toute vitesse à aller dans le mur, comme on le fait en organisant à nouveau des manifestations qui ne déboucheront sur rien, sinon sur la violence. Aziz Kelly, vous êtes d'accord avec Alain Juppé? Il a vraiment changé de ton, de méthode? Oui, mais je voudrais déjà répondre à ce que vient de dire Philippe Poutou. Je ne partage absolument pas sur les violences. Je pense que, en tout cas, moi, je fais la différence entre les Gilets jaunes qui ont des revendications et les casseurs qu'on a vus ce week-end. Vous savez, la violence, elle est aussi celle des commerçants
qui ont perdu leur commerce, des salariés aussi à l'intérieur de ces commerces qui ont été empêchés de travailler, qui sont dans une grande difficulté, qui se retrouveront sûrement à la fin du mois dans une grande précarité parce que ces commerces vont fermer. Moi, je pense aussi à tous ces gens qui ont perdu leur voiture. Alors effectivement, pour vous, ce n'est pas grand-chose. Et moi, contrairement à vous, je soutiens nos forces de l'ordre, nos forces de police qui subissent aussi les agressions systématiques tous les samedis sur les différents mouvements des casseurs. Donc sur ça, en tout cas, il y a une vraie ligne de différence avec nous. Non, mais je vous le dis, moi, je suis plutôt du côté de l'ordre. Les blessés graves, c'est pas du côté de la police. Il y en a autant. Parce que les mains arrachées, vous vous rendez compte quand même, quoi. Enfin, vous savez, on en est à accepter ça, on en est à trouver normal. Vous savez, ces images de policiers lynchés. Parce qu'il n'y a aucun casseur parmi les blessés, vous avez vu, hein, parce que vous parlez beaucoup des casseurs, mais là, les gens qui sont, qu'on l'amène là, Antoine par exemple, parce qu'il y a des articles sur Libération, France Info, c'est quelqu'un qui vient manifester, qui en plus lui-même explique qu'il n'est pas du tout dans cette idée. Un jeune manifestant bayonnais qui a eu la main arrachée par une grenade. C'est terrible ça. Et là, on a des exemples de jeunes qui sont victimes d'une violence. À la limite, on pourrait dire, ils choperaient des casseurs ou dire, regardez celui-là, c'est même pas ça, c'est des manifestants. Philippe Poutou, il y a 67 entreprises de Nouvelle-Aquitaine qui ont demandé un temps partiel suite à ces manifestations parce qu'elles sont en difficulté, une baisse de chiffre d'affaires assez inédite. Qu'est-ce que vous en pensez de ça? Ça met quand même en difficulté beaucoup de commerçants et d'artisans. C'est bien de s'en occuper, entièrement d'accord, mais combien de commerces sont fermés depuis des années à cause du chômage et de la précarité? Pourquoi j'entends pas ni Macron, ni personne, ni aucun policier d'ailleurs, se scandaliser de la fermeture d'une usine comme Ford, dont tout le monde sait que derrière, oui, non, mais c'est 3000 emplois qui disparaissent. Mais là, ça choque pas, c'est pas une violence, ça. Vous avez l'État alors, là, qui est derrière vous, vous avez l'ensemble des collectivités qui derrière vous, vous étiez à Bercy encore oui, derrière. Oui, non, mais ça, c'est en coulisses. Là, je parle des campagnes qui sont faites aujourd'hui pour dire, regardez, c'est scandaleux, c'est pas possible. Mais le scandale, mais oui, mais c'est ça. Si on veut pas voir ça, ça va se dégrader. Si on veut pas voir dans la société le drame humain qui est vécu par des millions de gens, hein, le nombre aujourd'hui de gens qui sont victimes de la précarité, de la pauvreté. Là, en ce moment, il y a une maternité du côté de Châteauroux qui est en train de fermer, mais quand même. Et là, oh, ben là, on en parle pas. Ils ont été à pied de Châteauroux à Paris pour dénoncer la fermeture d'une maternité. Mais là, personne discute d'une violence intolérable. Donc c'est ça qu'il faut aussi comprendre, c'est qu'il y a une société qui est de pire en pire, qui est de plus en plus violente, qui opprime, qui humilie les gens. C'est du chômage, de la précarité, de la difficulté de se déplacer, de se cultiver, de manger, de se soigner. Et elle est là, cette violence-là. Si on discute pas de ça et qu'après on dit « Oh, il y a des vitrines qui cassent », je dis pas que c'est bien les vitrines qui cassent, mais c'est au regard de la violence qui existe en amont, il faut bien arriver à faire le lien et à se dire que merde, il y a un problème. Et le problème, c'est quand même une situation, une politique qui est ultra violente contre les pauvres et contre la population. Aziz Skali, on a beaucoup entendu dire que Emmanuel Macron avait une certaine déconnexion des réalités du terrain et que sa prise de conscience, a été quand même très tardive. Il a mis du temps à proposer ces mesures qui sont sûrement un tournant dans cette crise. Qu'est-ce que vous en dites? Moi, je ne pense pas qu'il soit déconnecté. Vous savez, le projet d'Emmanuel Macron, il vient du terrain. Hein. C'est quelqu'un qui a été porté d'abord par un mouvement citoyen. Je pense qu'il faut le rappeler. De la grande marche qu'on avait menée en 2016. Toutes les propositions viennent des rencontres qu'on a faites avec ces centaines de milliers de Français, et y compris ces personnes qui aujourd'hui réclament un certain nombre de mesures sociales, écologiques et des mesures institutionnelles. Donc il n'est pas déconnecté des Français. C'est le projet qu'il porte. Par contre, effectivement, est-ce qu'on a tardé à répondre et à mesurer l'impact de ces mouvements de gilets jaunes? Oui, je le crois, et je crois qu'aujourd'hui, nous avons remis en place à la fois des mesures immédiates, des mesures d'apaisement, et puis des mesures qui vont permettre d'ouvrir un dialogue pour continuer à avancer, mais dans un cadre qui est le cadre de nos institutions. Je crois qu'il ne faut pas s'arrêter. Moi, je suis d'accord avec Philippe Poutou. C'est pas la démission d'Emmanuel Macron qu'il faut demander aujourd'hui. C'est plutôt de travailler sur les réformes de fond dont notre pays a besoin pour avancer. Il y a une demande qui revient sur les ronds-points où sont mobilisés les Gilets jaunes récemment. C'est la demande d'un RIC, un référendum d'initiative citoyenne. Ça serait possible? Ça peut être discuté aujourd'hui. Vous savez, nous, on a porté une réforme des institutions et de la Constitution. Malheureusement, elle a été perturbée cet été par les oppositions à travers, malheureusement, l'affaire Benalla qui a été un peu instrumentalisée. Mais nous portons cette réforme de la Constitution. Nous voulons donner plus de place au débat démocratique. Nous voulons rétablir plus de...
de dialogue avec les citoyens. Et d'ailleurs, c'est ce que nous faisons lorsque nous ouvrons cette phase de concertation. C'est d'abord d'aller au plus près des citoyens. Et puis, le président s'est engagé aussi hier à essayer de revoir tous les strates de l'État pour redonner, et je pense qu'il faut le faire, un peu plus de, comment dire, on va dire de poids aux collectivités locales, territoriales, pour effectivement que tout ne descende plus de l'État. Et je pense que ça, c'est extrêmement nécessaire dans les prochaines semaines et les prochains mois. Philippe Poutou. Sur l'aspect de l'idée du référendum, je pense que le mouvement des Gilets jaunes, ce qui est positif, je trouve, dans ce mouvement aussi, c'est le côté démocratie directe, dans le sens où il y a une population qui se mobilise, l'occupation des ronds-points. Ils se retrouvent, ça discute, c'est des milieux différents, c'est le même coin, on va dire. Mais bon, il va y avoir des agriculteurs, des commerçants, il va y avoir des salariés, des chômeurs, des retraités, des jeunes. Ils se retrouvent, ils discutent, et puis quelque part, dans ces discussions-là, il y a aussi un contact social qui se refait, qui se reconstruit, et qui donne visiblement un peu de confiance à cette population-là qui est habituée à subir. Et ça peut aussi faire partie d'une vision de la société différente, parce qu'au-delà de la question du référendum, c'est comment la population s'occupe de ses propres affaires, comment elle-même, elle explique sa souffrance, et comment elle-même, elle apporte ses propres solutions. Et c'est vrai que c'est ce qui se passe. Bon, la liste est parfois très longue des revendications, mais c'est quand même hyper intéressant de voir, nous, on pense qu'il faudrait ça, nous, on pense qu'il faut cette solution-là, nous, on pense qu'il faut du salaire, ou on pense que le bureau de poste du coin, il faut le réouvrir, ou on pense que la gare et la ligne de chemin de fer, ce serait bien que ça... C'est ça qui manque aujourd'hui. C'est qu'en fait, par rapport, ça fait le lien avec ce que vous disiez sur la déconnexion, est-ce que Macron, est-ce que le gouvernement, ou est-ce que les députés sont déconnectés d'une certaine matière, non, parce qu'ils savent très bien quand même ce qu'ils font, mais d'une autre manière, oui, parce qu'il y a tellement une bulle de riches, une bulle de privilégiés qui fait sa politique pour elle-même, que du coup, effectivement, il y a un écart énorme qui se creuse. Et comment la population peut dire, oh, il y a un problème là, l'argent de la société, l'argent de la collectivité, il doit servir à la majorité des gens. Et donc, ce mouvement des Gilets jaunes, il a cette qualité-là de rappeler tout ça, et il s'organise, et on peut espérer que ça devienne un véritable mouvement construit et qui a en capacité d'imposer une satisfaction des besoins des gens. Merci beaucoup à tous les deux d'être venus sur ce plateau pour donc réagir à ces annonces d'Emmanuel Macron et parler de ce mouvement des Gilets jaunes qui doit donc se mobiliser à nouveau samedi pour un cinquième acte dans la rue. Vous restez avec nous sur TV7, on se retrouve dans un instant pour un nouveau journal.